Mesdames, Messieurs, bienvenue à Face à ECN, véritable partage d'expérience. Au cours de cette série, nous allons revisiter le parcours d'un invité. Ceci sous forme d'un tête-à-tête intimiste avec, bien sûr, l'intervention du public et des prestations artistiques. Et ça va être un grand moment d'inspiration. Pour la première édition, nous serons honorés d'accueillir un ancien international camerounais au parcours atypique. Il a été le footballeur africain le plus titré de l'histoire, avant bien sûr Samuel Eto'o fils. Est-ce qu'on peut accueillir par des applaudissements Jérémy Ndithap ? Bienvenue Jérémy. Merci. Allez vous installer. Merci, bonjour. Davantage d'applaudissements pour Jérémy, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes très honorés, Jérémy, de vous accueillir dans le cadre de Face à ECN, véritable partage d'expérience. Vous avez une carrière de footballeur totalement remplie, épanouie. Aujourd'hui, quel est votre état d'esprit ? Mais écoutez, je suis déjà très honoré aussi également. Et puis, très content de partager ma modeste carrière avec tous ces jeunes-là qui seront à l'écoute. Alors, vous êtes né à Bafoussam, c'est le chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun. Vous avez grandi à l'ouest du Cameroun. Vous vous souvenez de cette partie de votre vie, votre enfance? Une enfance compliquée, facile? Ben écoutez, on ne peut pas oublier d'où on vient. Effectivement, je suis né à l'ouest, à Bafoussam, et c'est là où tout a commencé. Je suis issu d'une modeste famille. Je me débrouillais pour manger, il faut le dire ainsi. Je ne me cache pas. Et la chance, ou bien peut-être la malchance que j'ai eue, c'est que je suis né à côté d'un stade. Donc, ça m'a permis... Ça vous a peut-être influencé dans ce que vous avez choisi de faire plus tard comme métier, la proximité avec ce stade-là. Vous vous souvenez de... C'était quel quartier à Bafoussam ? À Bamendi 2. C'est mon enfance, donc... C'est pas le quartier le plus luxueux de la ville de Bafoussam ? Non, à Bafoussam, on ne parle pas de quartier luxueux. Vous connaissez Bafoussam, donc... Non, c'est... Voilà, c'est vrai que c'est la capitale de la région, mais voilà, c'est... C'est une modeste ville qui a effectivement ses endroits luxueux, comme vous l'avez dit, mais Bafoussam, ce n'était pas le cas. C'était un quartier voilà, normal. Alors, à côté de la proximité avec le stade, il y a également votre père, le célèbre Samuel. Votre père était footballeur dans les années 70 et on a appris qu'il avait un nom particulier. On l'appelait Flèche empoisonnée. C'était oui. Le nom de baptême de votre père, footballeur. Oui, effectivement, je l'ai aussi appris parce que je n'étais pas encore né. Et j'avoue aussi que je n'ai pas vu mon papa jouer. C'est par ces histoires qu'il me racontait et aussi les gens qui m'abordaient pour me dire que ton papa était un très grand footballeur. On l'appelait Flèche empoisonnée. Bon, voilà, bon, mais je ne l'ai pas vu jouer. Vous avez dit pourquoi on l'appelait Flèche empoisonnée pour un footballeur? Oui, on l'a appelé Flèche empoisonnée parce que c'est quelqu'un qui avait... une très grosse frappe de balle. Et semblerait-il que j'ai hérité ça de lui. Alors, restons toujours dans cet environnement familial. Vous nous disiez tout à l'heure que ce n'était pas toujours évident au quotidien de s'en sortir. Une famille polygamique aussi. C'est important de le souligner. Papa n'avait pas qu'une seule femme. Oui, vous connaissez le Cameroun et puis surtout à l'ouest. Les papas n'ont pas, comme on dit trivialement chez nous, un seul foyer. Ils ont plusieurs bureaux. Et moi, effectivement, je suis né de l'autre bureau. Et je peux vous avouer ici que ce n'est pas facile parce que quand vous êtes né dehors et qu'on vous ramène dans la famille primaire, vous n'êtes pas parfois la bienvenue, il faut dire la vérité. Mais mon papa, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a effectivement reconnu son fils parce qu'il y a d'autres parents qui ne reconnaissent pas. Qui n'assument pas la paternité. Qui n'assument pas leur responsabilité. Mais il est allé me chercher, il l'a ramené à la maison.
Et c'est vrai que ça a causé des problèmes. Aujourd'hui que je suis parent, j'ai compris, je comprends beaucoup de choses. Ça lui a causé des problèmes par rapport à son foyer, son couple. Mais il a pris cette responsabilité-là d'assumer sa paternité. C'est pour ça que je lui serai éternellement reconnaissant. Et vos relations avec vos frères et sœurs issus de cette famille polygamique, je crois savoir que vous êtes une dizaine d'enfants, un peu Non, on plus, est un peu plus. On un peu est plus. issus de mon papa. Nous étions 17 parce qu'il y a des décédés. 17 enfants. 17 enfants. Enfin, nos parents à l'époque étaient. Vous savez, il n'y avait pas trop d'endroits de distraction. La première distraction, c'était dans la chambre. Donc, c'est pour ça que la plupart des parents, auparavant, ont beaucoup d'enfants. Il y a d'ailleurs une petite expression hein, qui reste d'actualité. Du pauvre est. J'aimerais bien que le public réagisse. Le lit du pauvre est. Fégon, voilà. Et la table est stérile. Non, en fait, ce lit est fécond, pourquoi? Parce que à l'époque, il n'y a pas la télé, il n'y a pas d'endroit pour aller perdre le temps. La seule distraction, c'est dans la C'est dans la chambre. chambre. Voilà. Et côté études, vous avez fait quelle étude, Jérémy? Alors, un peu compliqué, j'ai commencé par l'enseignement général. Lorsque je suis arrivé au niveau secondaire en première, mon papa a décidé que je devrais faire la technique parce que pour lui, l'enseignement général, ça prend du temps. Et il voyait en moi, c'était une éducation à l'ancienne. Il me recommandait d'aller apprendre puisque en technique, on a la façon de se débrouiller au quartier. Et moi, j'avais choisi l'électricité. À l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui c'est la F3, série F3. Et j'ai donc dû recommencer en seconde, il faut le dire, parce qu'en principe, vous devez commencer en première année. Puisque j'avais déjà le niveau général jusqu'en première, j'ai dû recommencer en seconde pour terminer en terminale F3. Et je peux dire que j'étais capable de faire des installations dans une maison, des installations d'électricité dans une maison. C'était ce que mon papa voulait parce qu'il disait que si je peux me débrouiller à faire ce genre de travaux, ça me permettrait d'avoir mon gagne-pain. Mais après, La j'avoue passion du football a pris le a dessus. pris le dessus. Voilà, Voilà on la a parlé de vérité. la proximité avec le stade. On a parlé de papa aussi qui était un excellent footballeur dans les années 70. Mais dites, le football là, vraiment, c'est mon affaire. Je vais me lancer dans une carrière. Alors, il faut dire que j'ai commencé à jouer au football comme tout jeune. Je vous ai dit, je suis né à côté d'un stade. On allait jouer comme la passion, comme des bons jeunes garçons qui veulent jouer ensemble. Étant tout jeune, il y avait beaucoup de gens qui appréciaient, déjà parmi nous, j'étais le meilleur. Et j'ai commencé à participer au tournoi de la. Ça, c'est là où je commence au tournoi de la Coupe Top. Les brasseries organisaient la Coupe Top pendant les vacances. Pour détecter des jeunes talents. Ouais. Et j'ai participé à ce tournoi et je me rappelle le premier tournoi, je suis sorti meilleur joueur. Et à l'issue de cette compétition, on devait choisir les 10 meilleurs de la. À l'époque, c'était les provinces. Et on ne parlait pas encore de région au On ne Cameroun, parlait pas c'était les encore provinces. c'était les provinces. J'étais le meilleur joueur de la compétition et on a choisi les 10 meilleurs joueurs de la province. Et ces 10 meilleurs joueurs devaient aller en formation à Douala pour continuer leur formation. Et je peux vous avouer ici que c'était la première fois pour moi de partir de l'Ouest Pour Douala. pour Douala, donc. Vous avez les souvenirs de ce premier voyage? Ben, bien C'est un peu comme sûr. si vous preniez l'avion pour la première fois, Et j'avais. parti de votre Bafoussam natal. Écoutez, j'ai des très bons souvenirs, des anecdotes même d'ailleurs, parce que pour moi, j'étais né à Bafoussam, je n'étais jamais sorti. Si je partais jouer peut-être des interquartiers, c'était
à côté, vous savez, l'ouest, les villages sont très très proches. Tout à fait. Donc le jour où je devais partir à Douala avec un responsable, c'était pour moi, je ne savais pas où je partais. Et au petit matin pour arriver là-bas à mi-journée. Mais je peux vous dire que je n'ai pas dormi du tout parce que j'essayais de regarder partout. J'essayais de suivre, de regarder, d'admirer tout. Impressionné par Voilà. les bâtiments, Ouais, par non, les même pas. rues. Vous savez, l'autoroute Bafoussam, Douala, il n'y a pas grand-chose à À voir. Mais pour voir. moi, j'étais émerveillé de voir cette verdure-là. Voilà, c'était intéressant. Voilà. Et une fois arrivé à Douala, donc le Alors, génie explose. alors, il faut arriver à Douala. J'étais ébloui parce que Douala, je n'avais jamais vu une très grande ville. Parce que pour moi, Bafoussam, c'était la plus grande ville. Et quand nous sommes arrivés à Douala, alors là, je me suis dit, je me croyais ailleurs. Donc, ouais, j'étais impressionné. J'étais impressionné, je dois dire. Et à l'époque, l'école de football des Brasseries, nous logeait à, pour ceux qui connaissent le Cameroun, c'était Baba Simon, le centre Baba Simon. C'était un collège. On dormait dans les salles de classe. Mais nous, on était éclatés parce que et ce qui était bien, on avait des gamins qui venaient dans tout le Cameroun. C'est-à-dire la délégation du Nord, je vous ai dit, de toutes les provinces. Et se retrouver là, c'était quelque chose d'impressionnant parce que moi, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui vivait au Nord. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui. Les gars du centre, je dois vous dire, ils faisaient trop de bruit, Oui. mais sur le terrain, on était déjà plus fort. Et vous savez, les attitudes ici à l'ouest, ceux qui viennent généralement de l'ouest sont soumis, peureux, tranquilles. Mais quand on rentrait sur le terrain, puisqu'on formait des petites équipes lors des jeux, et généralement on se retrouvait toujours ceux de l'ouest ensemble, ceux du centre, ainsi de suite. Quand on allait à l'issue de ces petits matchs, nous on sortait toujours victorieux. Et c'est comme ça qu'on a gagné la suprématie entre les jeunes. Donc du coup, après peut-être des séances d'entraînement, tout le monde se retrouvait dans notre dortoir. Et voilà, nous étions déjà, on prenait déjà, on dominait déjà sur le terrain. Mais les gars du centre et du littoral dominaient par L'avant-tardise. l'avant-gardisme, ceci, cela. Et ils venaient bien habillés, ils te parlaient des chaussures, ils te disaient ça c'est la Timberline, tu peux pas. Bon, c'était quelques anecdotes. Voilà, en tout cas, c'est des bons souvenirs hein, que vous partagez avec nous sur le plateau de face à ECN, en direct de l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. Alors, Jérémy, c'est-à-dire que c'est aussi le volet formation, c'est-à-dire qu'on va vous chercher à Bafoussam, vous intégrez l'école des Brasseries du Cameroun, et là, ça va être la formation scolaire couplée footballistique. C'est une très belle expérience. Belle expérience, mais très, très compliquée. Je vous avoue que lorsqu'on intègre l'école de football des Brasseries, en principe, on doit aller pendant les vacances, les 3 vacances. Il y a le premier trimestre, le deuxième Deuxième. trimestre, le troisième trimestre. On perd tout parce que, en principe, pendant ces vacances, on doit relire de temps en temps. Je dois avouer aussi que je n'étais pas bête. J'étais quand même un bon élève. Je ne sais pas pour me C'était la quoi votre matière? J'étais un bon scientifique. Ah, C'est la d'accord. raison pour laquelle j'ai choisi. Mathématiques. Ouais, j'étais quand même pas mal. Et pendant les vacances, comme on allait à l'école de football de Brasserie, on n'avait pas le temps. Je dois aussi dire que mon papa était derrière moi à chaque fois. Quand j'ai commencé à aller à l'école de football de Brasserie, pendant les vacances, je n'avais plus l'occasion de réviser. Donc, du coup, je prenais du retard au niveau. Voilà les conséquences du football. Je prenais du retard parce que quand on arrive à Douala, on est entre les jeunes. Le temps d'aller réviser, non. On est emporté par des jeux entre copains, par des jeux, des blagues, des causeries. Donc, c'était compliqué. Après aussi, quand on était. Si on vous sélectionnait pour aller représenter, parce que. Je pense que l'État ou bien la fédération camerounaise avait décidé de donner la responsabilité à l'école de football des Brasseries d'être
ceux-là qui doivent représenter l'équipe nationale Honda. Les moins de 20 ans. Non, les moins de 15 ans. Les moins de 15 ans. Oui, parce qu'il y avait un tournoi à Montaigu, un tournoi international. Tout à fait. Donc, c'était l'école de football de Brasserie qui devait s'occuper de cette compétition et d'aller représenter. Et quand il fallait aller là-bas, c'était pendant les classes. Les classes, ouais. Et pour la préparation, on était obligé de manquer les cours. Donc, en fait, on peut dire que vous avez sacrifié vos études au profit du football. Oui et non, parce que dans cette société, il faut être éduqué et l'éducation s'acquiert, l'éducation intellectuelle s'acquiert à l'école. À l'école, tout à fait. Et je pense qu'à un moment, j'ai un peu regretté parce que plus tard dans ma carrière, lorsque j'arrivais dans des pays où je ne connaissais pas la langue et la langue qu'il fallait parler, c'était l'anglais, et sachant qu'au Cameroun, je n'avais pas assimilé ou bien la session, j'ai manqué trop de cours d'anglais, j'ai eu des problèmes. Bon, peut-être pas mes capacités à vite m'adapter, c'est cela qui m'a probablement permis, mais je dis, le conseil que je dois donner à ces jeunes-là, c'est d'aller à l'école, parce qu'aujourd'hui, le football, c'est une profession et on a besoin de tous ces domaines-là pour s'intégrer facilement. Voilà, là, c'est vraiment les tout débuts hein, de votre carrière dans le biais de l'école des brasseries du Cameroun. Mmh. Après cela, donc, il y a l'équipe nationale. Mais avant aussi, vous avez été tenter une aventure du côté de l'Amérique latine, de Paraguay. Ben, écoutez, je dois dire que ma carrière, ça a débuté par une aventure parce que j'ai commencé effectivement à jouer au Cameroun. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai respecté toutes les catégories. Je pense que je suis même l'un des joueurs qui a fait toutes ces catégories-là et qui a gagné un titre. Les moins de 15 ans, j'ai gagné deux Montaigu. J'ai gagné deux fois Montaigu, qui est un tournoi reconnu. Les cadets, le tournoi. Cette année-là, il n'y avait pas de compétition cadet. Mais en junior, après, je suis parti en junior. En junior, nous avons gagné la Coupe d'Afrique junior. Puis en espoir, nous avons gagné, je peux dire, nous avons gagné les Jeux Olympiques. Et après, l'équipe A. Donc, j'ai fait toutes ces catégories-là. C'était une progression vraiment graduelle. Il y a aussi eu le Racing Club de Bafoussam. Oui, c'est pour ça que c'était quand j'étais plus jeune. Plus jeune j'ai encore. Fait, oui, Racing, ça, c'est maintenant au niveau des clubs. En club, oui, j'ai gagné une Coupe du Cameroun. Avec le Racing Club de Bafoussam. Alors, on parlait du Paraguay tout à l'heure. Le Paraguay, oui. Quand même, c'est, alors, c'est donc, pas la porte d'à côté, Jérémy. Non, c'était pas la porte d'à côté. C'est pas la porte d'à côté. Comment je me suis retrouvé au Paraguay? C'est pour ça qu'on parle d'aventure, parce que c'était à l'issue de la finale de la Coupe du Cameroun, Racing Bafoussam, Stade de Bandjoun contre Stade de Bandjoun, où on gagne. Et c'est après ce match que je suis parti. J'ai eu la connexion et je reconnais aujourd'hui, c'est à travers Alphonse Chami qui jouait en Argentine à l'époque, à Boca Junior. Je dois aussi dire que déjà, mes premières sélections à l'équipe nationale, nous partons jouer un match au Brésil, un match amical contre le Brésil. Après ce match, il y a un agent qui veut que je... Il y a un club qui veut que je joue dans... qui veut me signer. Et je reviens au Cameroun. Et à l'époque, les contacts, c'était pas facile. Ils sont passés par Chami qui a appelé son frère à Bafang qui est venu me voir pour me dire qu'il faudrait que tu sois connecté. Et aussi à l'époque, les téléphones, d'abord chez nous, il n'y avait pas de téléphone. Et il fallait prendre rendez-vous pour aller attendre le coup de fil. Dans une cabine téléphonique. Voilà, et c'était comme ça. Donc cette aventure, je suis parti après le match, après la finale. Et c'était vraiment l'aventure. Je suis parti au Brésil. Le club qui m'attendait, je suis parti en retard parce que la période de transfert était close. Quand je suis arrivé au Brésil, j'ai dormi 2 jours à l'aéroport parce que quand j'arrivais, j'étais prévu arriver, disons, une date. Et je suis arrivé bien après. L'agent qui m'attendait était découragé. Mais c'est comme j'ai eu une chance parce qu'il a suivi.
mon itinéraire et il est revenu comme ça à l'agence et j'ai dormi à l'aéroport. C'est comme ça qu'il est venu me récupérer. Puisque au Brésil, la saison était close, la période de transfert était close, il m'a dit, OK, comme tu es arrivé ici en Amérique du Sud, tu ne peux pas rentrer. Et je t'amène au Paraguay. Le Paraguay, toujours en Amérique du Sud, où la saison est encore ouverte, la saison de transfert est encore ouverte. Et c'est comme ça que je et je C'est suis concluant. c'est concluant. Voilà, donc c'est une période quand même assez particulière. C'est une période de beaucoup de galères, mais vous n'avez pas renoncé. Vous avez fait preuve de résilience. Et puis après, il y a les portes de l'Europe qui s'ouvrent à vous. Et là, ça va vraiment être l'explosion totale. Jérémy va faire le tour des Ouais, grands clubs européens. écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas ma carrière, ça c'est ma carrière, hein. C'est pour ça que quand vous m'avez annoncé en une heure on va parler de ma carrière ou bien de mon aventure, non? Oui, effectivement, quand je pars du Paraguay, comment je pars du Paraguay, c'est comme je vous ai dit, étant déjà ici, j'étais appelé à l'équipe nationale. À l'époque, c'était Henri Depureux qui était l'entraîneur. Lorsque je suis allé au Paraguay, j'ai fait 3 mois. Après 3 mois, j'étais déjà intégré. J'essaie de le joindre au téléphone pour lui dire, écoutez, coach, là, je suis dans ce club. J'ai besoin de mes services. Il me dit, ah, Jérémy, je t'ai cherché partout dans le monde. Tu sais, j'étais un grand joueur, j'ai besoin de toi. Et la prochaine convocation, lors des éliminatoires, je suis appelé. Et c'est comme ça que je joue les matchs de qualificatif pour le mondial, je pense, en 98. Après, je suis pas parti. Et lui, il me dit, OK, Jérémy, comme tu es au Paraguay, c'est difficile parce que quand je partais du Paraguay pour rallier le Cameroun, je prenais 3 jours. Et quand j'arrivais ici, ça se ressentait. Je pouvais jouer à 60 minutes maxi. À la 70e minute, j'étais déjà accrédité. Kaula. Alors donc, du coup, il m'a dit, écoute, Jérémy, je préfère que tu sois en Europe. Et c'est par son biais, parce qu'il contacte quelqu'un, un de ses amis en Turquie. Il dit, écoutez, je vais vous envoyer un très bon joueur. Je préfère que vous le signiez. J'arrive là-bas, le coach me dit, non, non, vous allez faire un essai. Je fais 2 séances d'entraînement. Je suis venu avec un sac, hein, parce qu'il fallait venir faire l'essai. Et je suis venu avec 2 sacs d'entraînement, 2 jeans et tout ça, pour faire l'essai d'une semaine et repartir. Après 2 séances d'entraînement, ils étaient en train de négocier mon transfert. C'est comme ça que j'ai signé en Turquie. C'est comme ça que j'ai signé en Turquie. Et j'ai commencé à jouer en Turquie. C'était plus proche du Tout à Cameroun. fait. Voilà, donc j'ai rallié facilement pour rejoindre l'équipe nationale. Et c'est de la Turquie que j'ai commencé, après la Turquie que j'ai signé dans les grands clubs dont vous avez mentionné. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu l'Espagne, il y Voilà. a eu l'Angleterre. Ouais. C'est quand même un parcours très Atypique. impressionnant, atypique, Ouais, Jérémy. c'est atypique. Je pense que Vous c'est. avez été le footballeur africain le plus titré de l'histoire, Ouais. bien avant Samuel, qui est arrivé Oui, pas après. sûr. Quand il arrive au Barcelone, il explose tout. Mais avant, c'était vous le roi du football africain, Jérémy, sans modestie aucune. Ben écoutez, bon, ben je dois dire que j'ai eu la chance, je peux me permettre aujourd'hui de dire que j'ai eu la chance d'avoir une carrière pleine de succès et aussi de déceptions. Mais bon, ce qu'on retient le plus, c'est le succès. Et pour les observateurs ou bien les fans du football, ils vont se souvenir tout simplement de ce que j'ai gagné. Alors moi, j'aimerais bien partager avec le public qui est là un peu votre palmarès, hein, parce que quand on parle comme ça, il y en a qui n'ont pas une idée précise. Donc, a remporté plusieurs titres avec l'équipe du Cameroun. Vous avez été vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et en 2002. Vous avez été vainqueur des Jeux Olympiques en 2000. Vous avez été finaliste de la Coupe des Confédérations en 2003, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2008. Vous avez été élu meilleur arrière droit de la Coupe d'Afrique des Nations en 2008, c'est bien cela. Avec vos clubs, vous avez remporté la Ligue des Champions en 2000 et en 2002 avec le Real de Madrid. Vous avez été le champion, vous avez été champion d'Espagne en 2001 avec Real de Madrid. Finaliste de la Coupe 2000 avec le Real de Madrid, finaliste de la Super Coupe de l'UEFA en 2000 avec le Real de Madrid, champion d'Angleterre en 2005 et en 2006 avec Chelsea, vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2007 avec Chelsea, vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise en 2007 avec Chelsea, un véritable exemple vivant pour la génération. On peut applaudir pour Jérémy, s'il vous plaît. On peut davantage applaudir pour Jérémy. On peut applaudir pour Jérémy. Bravo Jérémy. Alors, on peut applaudir, on peut continuer d'applaudir pour Jérémy. Davantage d'applaudissements. Alors, quand on a une carrière comme celle-là, on se dit que finalement,
le petit garçon qui n'était jamais sorti de Bafoussam, qui est né dans un environnement qui ne le prédestinait pas à se hisser au sommet du football mondial. On se dit qu'on a eu beaucoup de chance, qu'il y a Dieu dedans, il y a la main de Dieu dedans. Oui, puisque nous sommes tous des Bantous, en première chose, on pense aussi à Dieu, mais il faut se dire aussi que derrière ce succès, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, parce que j'avoue que j'étais quelqu'un d'assez sérieux. Je voulais atteindre mes objectifs et c'est pour moi aussi l'occasion de dire à tous ceux-là et celles-là qui sont nés des familles moins luxueuses que voilà, on peut partir de nulle part et arriver au sommet. Tout à fait. Donc, Et en parlant de sacrifice, je vais peut-être m'arrêter là-dessus parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas toujours hein, quand on parle de sacrifice. Il y en a qui peuvent se dire que sacrifice rime avec pratique magique, pratique de sorcellerie, parce qu'il se dit aussi que dans le monde du football, il y a beaucoup de pratiques. Jérémy, ce n'est pas la magie, non? Non, C'est le non, travail. non, non, je dirais Il n'y a pas plutôt de que. gris-gris dans le Non, monde du football. je dirais que la vraie magie, c'est comme quelqu'un avait chanté, c'est le travail. Et les sacrifices, c'est quoi? Vous savez, quand on est jeune, on est. Voilà, la jeunesse vous amène à faire beaucoup de choses. Il y a des distractions, vous êtes tenté à aller en boîte de nuit, aller voilà, faire ce que un jeune à son âge aimerait bien faire. Mais après, on choisit une profession où il y a beaucoup de demandes physiques parce que votre âme, votre corps. Et je peux vous dire que vous avez besoin de vous reposer. Après une séance d'entraînement, vous avez besoin de vous reposer. Et ça, si vous ne vous reposez pas, vous êtes exposé aux blessures. Et pour un footballeur, lorsqu'il est blessé, il commence à connaître des blessures à un jeune âge, ça va le rattraper parce que il y a beaucoup des efforts à fournir, beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'on est jeune et c'est assez. On doit préparer son corps pour les prochaines échéances parce que je peux vous dire que jouer un match de haut niveau, c'est pas facile. Ça, je le Il dis, faut une forte préparation, concentration ben également. oui, et c'est pour ça que j'ai un peu mal lorsque je regarde les jeunes footballeurs camerounais aujourd'hui parce qu'ils perdent beaucoup. À cet âge-là, on doit jouer. On doit jouer. Ça permet de préparer l'organisme. Parce que quand on va atteindre le haut niveau, quand on atteint le haut niveau, dans les clubs que j'ai eu la chance de jouer, on joue pratiquement 3 matchs par semaine. C'est-à-dire qu'on joue le week-end, le samedi, le mardi, vous devez jouer, et puis le samedi. Dans la période de ces matchs-là, vous devez aussi voyager. Il faut tenir compte Tout à fait. des trucs. Et parfois aussi revenir au niveau de l'équipe nationale. Tout ça, ce sont des charges qui peuvent avoir des conséquences au niveau physiologique, même au niveau mental. Donc, moi, j'avais la chance que, étant tout jeune, je jouais déjà beaucoup. Par jour, je pouvais jouer trois matchs d'interquartier. C'est-à-dire qu'après, c'était une sorte de formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus moderne. Aujourd'hui, on prend les jeunes, on les ferme, on les prépare, on les entraîne, il y a des séances d'entraînement et tout ça. Mais nous, à notre époque, c'était des interquartiers. Et ça nous a préparé. Ça a préparé ton organisme. Et c'est pour ça que je parlais des blessures. Ça nous a effectivement épargné d'avoir ces blessures-là. J'ai connu parmi ma génération, j'ai connu des très, très grands joueurs. Moi, je n'étais pas le plus talentueux. Mais des gars que quand tu voyais, tu les admirais. Mais qui n'étaient pas disciplinés envers eux-mêmes. J'appelle ça discipline nocturne, c'est-à-dire discipline après. Ils n'étaient pas disciplinés et ils ont eu des conséquences. Aujourd'hui, on dit, mais pourquoi il n'a pas réussi? C'est justement la Parce conséquence que, de ce voilà, manque de discipline. c'est ce manque de. Jérémy, restez avec nous donc sur le plateau de face à ECN, véritable partage d'expérience. On va accueillir un jeune qui se distingue aussi par son art. Il est un passionné de ballon rond, sauf que pour lui, le ballon rond, c'est jongler, jongler, jongler encore. Et il nous offre une belle prestation. Il s'appelle Hervé Tan, le jongleur de ballon. On peut l'applaudir bien fort. Didier, Yvan, Yvan, tu es le meilleur. Écoute ça, c'est un kill. Car MC la retorche. Un clap, un clap.
your hands. A clap. A clap your hands. Le baobab de la culture. Je joue la bouteille de la Suisse. Je joue. Pourquoi moi ça? Comme dans mon lacico. Tape la table. Tape. Tape les bêtises. Tape. Maintenant, je joue le tam-tam. C'est un kill. Un couteau. Un couteau, mon cool. Un couteau. Oh là là. Maintenant, je joue la batterie. J'ai remis. Joue. Thank you.
que je suis venu tout casser, c'est la faute des gamins. Les bébés s'agitent quand elles me voient sur l'allée. On dirait qu'elles veulent me manger. Si on prenait les châtés avec les dos de sa rémère, plus près de la classe, d'autres se foutent avec le professeur. Tu as refusé le palais, le monde a l'air de fumer. Tu dis c'est ta pote, pourquoi tu crains de Somalie? Pour cette belle prestation, réaction Jérémy? Très impressionné. Je pense que c'est beaucoup d'heures d'entraînement et c'est en direct. Je n'ai pas vu de pas de fausse note. Pas de fausse note. C'est vraiment bravo. Vous voyez, très talent. C'est du talent. Donc, vraiment, félicitations. Et les talents, vous avez décidé de les accompagner désormais dans le domaine du football. Ouais. Les jeunes talents. Oui, j'ai décidé pourquoi, parce que quand je regarde d'où je suis parti et où je suis arrivé, je pense que si on prend 100 jeunes, je ne crois pas que 2 ou 3 pourront réussir. Alors, parlons un peu de votre carrière. On a cité les clubs tout à l'heure, vous avez été dans les clubs les plus prestigieux. Jérémy, votre carrière aujourd'hui avec du recul, comment est-ce que vous pouvez la qualifier? Une carrière exceptionnelle, une carrière... Une carrière, comme je l'ai dit, pleine de succès. Les statistiques en parlent d'elles-mêmes. Donc, les trophées, tout ce que j'ai gagné. Je pense que pour tout footballeur ou bien pour toute personne qui choisit une profession, à la fin de faire le bilan et de se dire qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai pas fait. Donc pour moi, je peux dire que voilà, c'est une carrière que beaucoup de footballeurs aimeraient avoir. C'est les cachets, évidemment, parce que football, quand on parle de football, on parle forcément de cachets, de contrats mirobolants, c'est beaucoup d'argent qui circule. C'était quoi votre premier cachet quand vous avez commencé, votre premier contrat, alors que localement, le premier cachet que vous touchez, c'est combien? Écoutez, le premier contrat que je touche, c'est 1 million. C'est quand je signais au Racing de Bafoussam. 1 million de francs à l'époque? 1 million de francs. Et quand j'ai pris ça, c'était ma prime de signature. Et quand j'ai pris ça, je suis allé le mettre à mon papa. C'est comme ça qu'il a commencé à changer d'avis. Oui, parce qu'il n'était pas toujours d'accord que vous lancez dans le... On peut applaudir. Il n'était pas toujours d'accord que... Mon papa avait toujours dit il faudrait que tu partes à l'école, que tu ailles à l'école. Et quand j'ai signé, vu notre éducation, c'était de prendre pour lui dire, bon, voilà, papa, il y a ce club qui veut m'engager, qui veut que je joue pour eux. Voilà ce qu'ils m'ont donné. Seulement parce que j'ai signé. Voilà, et je lui ai remis. Je peux vous dire que je n'aimais pas manger une seule seconde. C'est vrai qu'à la maison, ce que je mangeais, c'était peut-être pour avoir les retombées. Vous avez beaucoup parlé de papa et votre maman, alors? Alors, je n'ai pas eu la chance. Je vous ai dit, je suis issu d'une femme qui est de l'extérieur. Quand vous dites de l'extérieur, elle n'était pas de l'ouest du Cameroun? Non, elle n'était pas de l'ouest du Cameroun. Elle n'était pas mariée avec... Je vous ai dit, on parlait des bureaux ici, elle n'était pas mariée. Donc, vous êtes ce qu'on appelle un enfant naturel? Tout à fait. Et je pense, il faut dire le terme comme... Ça peut choquer, mais je suis issu de... La tromperie de mon papa. Et voilà, donc je vous ai dit ça. Donc, vous avez été pris à votre maman pour être élevé... Par ma marâtre. Oui, tout à fait. Une des femmes de votre père. La femme, en fait, mon papa, il est resté un peu sérieux, c'est-à-dire qu'il s'est marié, mais dehors, il avait des bureaux. Voilà, et donc il est dehors, je suis né dehors, il est allé me chercher, il l'a amené dans sa famille primaire. Maman était de Nguélémédouka, dans la région de l'Est. Alors, oui. Donc votre mère est de l'Est Cameroun. Voilà, j'ai ce côté que beaucoup ne savent pas, ce côté de l'Est. Vous assumez aujourd'hui cette double appartenance ethnique? Bien sûr, en principe même, on sait qu'un enfant,
de devrait appartenir à sa maman. Mmh. Parce que sachant tout ce qui peut se passer ici, le vrai parent d'un enfant, c'est la maman. Donc, j'ai eu beaucoup de regrets. J'ai pas grandi avec ma maman parce qu'après, elle est rentrée à l'Est. Et le regret que j'ai eu, ma maman n'a pas profité de moi parce qu'elle est partie très tôt. Mmh. Elle est partie quand je commençais. Non. Oui, c'est vrai aussi que quand je jouais au Cameroun de temps en temps, puisqu'elle était rentrée à l'Est, à Bétoua précisément, pendant chaque vacances, je n'hésitais pas d'amener quelques cadeaux. Un peu d'argent. Oui, j'achetais des sacs de riz, des sacs d'huile, et ainsi de suite, pour aller la rendre visite. Et vous savez, un enfant n'oublie pas ses parents. Tout à fait. À chaque fois, chaque opportunité que j'avais, j'essayais de prendre et je ne pas de lui donner parce que je savais qu'elle n'était pas. Ma maman ne faisait rien. Donc, j'essayais de m'occuper d'elle. Et je disais donc que je regrette parce que quand je suis devenu vraiment un homme, elle est partie. La période où, voilà, c'était en 2000, où je voulais l'amener. Malheureusement, que son âme repose en paix. Ouais. Et là, votre vie a changé. C'est-à-dire qu'on est parti de 1 million de francs CFA à millionnaire en euros, on va le dire comme ça. Ouais, bon. Parce que ça fait quand même un peu tourner la tête. Les chiffres dans le football, quand même, sont des chiffres très astronomiques, surtout dans les grands clubs Chelsea, Barça. C'est-à-dire que c'est Real, c'est toujours des chiffres qui font tourner la tête, Jérémy. Comment est-ce qu'on arrive à garder sa sérénité, surtout qu'on vient de Bafoussam, on est issu d'un milieu qui n'est pas forcément riche, avec un compte bancaire super, super gonflé comme ça? Ben écoutez, on ne perd pas la raison? Non, il faut dire que c'est par étapes. Et ça, je dois vous dire que, par exemple, quand j'ai signé au Racing de Bafoussam, on m'a donné 1 million. Ben, j'étais, voilà, pour moi, c'était waouh. Après, je suis parti au Paraguay, je gagnais 2000 dollars. Pour moi, c'était waouh. Et si je vous dis, c'est graduel. Donc, à chaque fois, voilà. Et après, vous commencez à vous habituer. Et c'est ça qui vous motive. Et c'est pourquoi je pense que c'est pour éduquer les enfants, il ne faut pas déjà parler. Parce qu'à cet âge, on est jeune. À cet âge-là, il faut déjà être focalisé dans le travail, dans la discipline. Et après, le prix vient, la rançon, voilà, le travail paye, comme on dit. Et moi, chaque fois que je signais un contrat, c'est vrai que j'étais à un certain moment, je disais, bon, ce sont mes efforts personnels. Et c'est ça qui m'encourageait d'aller encore travailler. Et comme je vous ai dit, de sacrifier beaucoup de choses. Moi, je pouvais sortir avec mes amis, mais je ne pouvais pas manquer les entraînements. C'est-à-dire, on restait jusqu'à 4 heures. Le matin, on doit s'entraîner à 9 heures. Moi, je ne manque pas. Et j'en connais parmi mes camarades qu'ils continuaient à dormir. Et après, ils viennent donner des excuses. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà rester engagé au travail, le professionnalisme, la discipline. Après, vous, voilà, ça paye, comme on dit. Alors, et comment, justement, vous arrivez à dépenser toute cette... j'insiste sur l'argent parce qu'on sait que le monde du football, c'est beaucoup d'argent qui circule. Comment vous avez pu dépenser cet argent-là? Est-ce que vous avez fait des investissements? Parce qu'il faut bien que cet argent aussi puisse produire. Vous avez investi, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent, Jérémy? Oui, ben moi particulièrement, comme je vous ai dit, j'ai eu cette petite éducation venant de mes parents que je reconnais aujourd'hui. Et ça m'a permis aussi, même aussi peut-être le coin d'où je viens, parce que généralement, nous à l'Ouest, on est assez sage, éduqué. Cette sagesse vient peut-être de notre éducation, de nos parents. On était un peu, voilà, on essayait de copier. Beaucoup de choses. Donc, j'ai peut-être acquis cela de mes parents. Et je vous ai dit, mes contrats, je n'hésitais pas à les donner d'abord à mes parents. Et après, quand je suis devenu... On est jeune. Vous savez, c'est pour ça que certains aussi s'égarent. Parce que la gestion, c'est quelque chose... C'est un art. On apprend.
Vous étiez moins dépensier, en fait. Oui, c'est une chance, il faut le dire, parce que c'était un vœu aussi, un vœu à beaucoup d'entre, un vœu à beaucoup de d'autres footballeurs, mais il ne faut pas les en vouloir, parce qu'ils ne sont pas formés pour pouvoir gérer. Je dis les conseils, et nous, on n'a pas grandi où, par exemple, en Europe, les Européens, par exemple, eux, ils ont des conseillers. Nous, ici, quand on commence à devenir footballeur, on gagne des millions. Ton papa... C'est tout le monde dessus. Qui veut... Non, ton oncle qui te criait dessus, qui pouvait te dire de ne pas faire, il t'appelle papa. Il t'appelle alors qu'il il doit continuer à te dire, à te donner des conseils, puisqu'ils ont cette expérience-là. Un jeune à 23, 24 ans, il a quelle expérience? Il a laissé l'école, il ne sait pas comment gérer. Et lui, bon, effectivement, il veut aller se pavaner, aller gérer. Voilà, être le plus beau, le plus riche. Avoir des plus belles voitures. C'est pour ça qu'à la fin, il y a cet agent. Alors, Jérémy, il y en a qui disent que vous avez un sens assez particulier de l'économie, vous ne dépensiez pas beaucoup. Et certaines personnes ont estimé que c'était, comment je veux dire ça, que vous faisiez preuve de vous étiez épingle. On vous a dit que vous êtes même le lion indomptable qui était le moins généreux. Que vous ne farotiez pas beaucoup, vous ne partagez pas beaucoup d'argent. En réalité, comme on dit au Cameroun, que vous étiez le lion indomptable le plus chiche. Alors, oui, moi particulièrement, ça me... Ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas du tout. Je suis du style de personne-là qui pose des actes, qui n'a pas besoin de montrer que j'ai posé un acte ou quoi que ce soit. Moi, je vous ai dit, je viens de l'Ouest. Et vous savez qu'à l'Ouest, on est familier, on a ça dans l'âme. La discrétion. La discrétion. Et je peux vous dire qu'on est assez émotif, on est assez conscient. Donc, d'ailleurs, la plupart des footballeurs camerounais souffrent de ça. Parce que vous parlez de, ouais, le terme farotage. Est-ce que c'est... Bon, c'est vrai, c'est l'environnement, c'est d'où nous venons. Est-ce que ça doit être normal, le farotage? C'est des choses que, non, on ne doit pas considérer, mais je pense que Dieu, si Dieu qui vous donne la capacité, la chance d'avoir, il faut aussi... Moi, je veux pas souvent, j'aime pas souvent dire ce que je fais. Mais sinon, vous donnez, vous partagez, beaucoup sans forcément faire de publicité autour. Si Dieu m'a donné la chance d'avoir un peu, pour moi, même quand je marche en route comme ça, je vois un enfant, et ça, c'est peut-être moi, même si je vois un enfant qui vend les arachides et tout ça, pour l'encourager, et ça, je préfère ça. Vous achetez tout le plateau? J'achète tout le plateau, je lui dis, rentre tôt maintenant, va te reposer, demain, tu achètes encore plus grand. Et ça peut l'aider, c'est comme ça qu'il faut aider. Bravo, on peut applaudir. J'ai pas besoin d'aller dire que j'ai fait ça ou quoi que ce soit. On nous a dit aussi, toujours par rapport à l'argent, que voilà, vous savez que vous êtes réservé, vous l'avez dit, mais que vous étiez passionné aussi des jeux de hasard. Voilà. Il y a des expressions camerounaises, hein, le bali-bali. Oui, le jambo, le tapé-tapé. Voilà encore une autre équivoque, parce que pour ceux qui travaillent ou bien qui ont une responsabilité, ils doivent de temps en temps se distraire. Je vais vous dire, c'est vrai, c'est notre environnement ici. En Europe, où j'ai eu la chance de vivre, les familles, pour des sorties, vont au casino se balader, vont jouer, vont... Non, vous parlez de Las Vegas. Je dis des sorties, des loisirs. Ils vont aller se distraire. Et quand on pratique une profession, on doit changer pour changer de truc. Et les loisirs ont un coût. Et vous parlez de coût. Pour vous, ça doit être peut-être le coût. Moi, si aujourd'hui, je décide que je veux m'amuser, je prends 20 000. Je dis 20 000 euros. Pardon? 20 000 euros. C'est comme vous voulez. Nous sommes au Cameroun. D'accord. Restons au Cameroun. On fait l'équivalent de 20 000 euros en CFA. Où est-ce que ça donne? Je prends 20 000 francs en CFA. Je dis, OK, je vais m'amuser et tout ça. Ce que j'ai gagné, c'est cet amusement-là. C'est ce que ça m'a permis de changer, parce qu'après, je sais ce qui m'attend. Alors, beaucoup interprètent mal.
Moi, par exemple, aller en boîte de nuit, aller peut-être dans les bars, aller tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Et si je veux changer, peut-être je peux aller où on ne va pas me déranger, je m'amuse peut-être à faire ça. Dans une salle de jeu, parce que j'aime les jeux, je m'amuse avec 20 000, ça s'arrête là. Mmh. Et je sors, demain, je serai plus frais pour faire mon métier. Mmh. Alors, pourquoi je dois m'en vouloir ou bien les autres doivent m'en vouloir. Alors, c'est peut-être parce que si on prend le cas des lions et dont vous avez évolué, ce n'était pas l'attitude des autres lions. Il y a des lions qui faisaient preuve de générosité à l'autre. Pareil, il y en a qui arrivaient comme ça en public, sortaient des billets de banque et tout. Mais par exemple, si on avait Jérémy qui était un peu réservé. Moi, je n'encouragerais pas ça. Parce que je pense que c'est ça qui nous a même gâté notre société, notre environnement. Non, c'est vrai, c'est pas bien. Si on veut aider quelqu'un, pour moi, c'est une insulte. C'est une insulte, c'est-à-dire que de rabaisser la personne. Sincèrement, moi, si je vois quelqu'un qui a un problème sérieux et qui vient me voir, et si je peux l'aider, je le fais. Et d'ailleurs, quand je le fais, je lui dis ne dis à personne. La discrétion, c'est ce qu'on veut recueillir. Bravo, Jérémy. C'est vrai, je lui dis. Tu sais que c'est un engagement entre toi et moi. Mon souhait, c'est que tu réussisses et je te donne ça pour que tu réussisses. Et sans faire de publicité autour. Pas besoin. Donner l'argent comme ça, c'est l'insulte aux autres. Moi, pour moi, sincèrement. Alors, parlons de votre fin de carrière. Oui. Parce que forcément, ça devait arriver. Vous avez dû passer par, je crois, vous êtes passé par la Turquie et... Oui. C'était vers, je crois, en 2011. 11, tout à fait. Vous avez arrêté. Oui, oui. Est-ce que c'est un moment que vous redoutiez, Jérémy? Vous avez été au top des tops et là, la carrière commençait. Alors, mes décisions ont été plutôt faciles à prendre, d'arrêter parce que je commençais déjà à être fatigué. Je venais de me marier, j'avais des enfants. Et vous savez, se balader avec la famille, ce n'est pas facile. Et après, on se dit, bon, et vous savez, quand on est parent, on est le modèle des enfants, des garçons que vous avez. Et si vous êtes toujours parti, après, il peut avoir des conséquences. Et surtout à cet âge-là, quand ils sont jeunes, parce que c'est là où il faut apporter votre éducation. Moi, je dis, j'ai hérité de mon enfance, parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir cette éducation familiale comme celle de papa et maman. J'ai grandi dans le tas. Et je me suis dit, je vais donner la chance à mes enfants. Et j'encourage aussi certains parents à dire que, avec mon expérience, je dis, parce que quand j'étais en club, je prenais le bus, par exemple, pour aller jouer. J'avais des coéquipiers qui appelaient. Papa, maman, bon, là, on est en train de bus, on part à tel. Moi, on prend l'avion. Papa, on prend l'avion. On est en train de décoller là. Mais moi, je suis comme ça. Ça peut être dur aussi. C'était très dur. C'était très dur. Et c'est là où on voit le lien entre le père et le fils, ou bien entre les enfants et leurs parents. Et donc, du coup, je me suis dit... moi, mes enfants, il faudrait que je leur donne une chance. Parce que quand je regarde ma trajectoire, mon parcours, je regarde, je dis, est-ce que sur 100 enfants, est-ce que 5 pourront avoir ce parcours et réussir? Je ne pense pas. Et je me suis dit, voilà, donc je vais donner la chance à mes enfants. Voilà, donc, une fois de plus, vous avez décidé de sacrifier votre carrière de footballeur, oui. Même si c'était déjà vers la fin, oui. Au profit de la famille. Parce Tout que pour fait. Vous, aujourd'hui, la famille, c'est... C'est ce qui compte le plus dans votre vie. Oui, comme je vous ai dit, d'où je suis parti, il faut le dire, c'est beaucoup de chance pour réussir. Mmh. Par contre, si on a autour de soi des personnes qui peuvent contribuer à votre réussite, c'est tant mieux. Donc, moi, je suis assez dur avec mes enfants parce que peut-être c'est... Vous avez combien d'enfants? C'est pas indiscret. Ben, j'ai 4 enfants. Oui, j'ai 4 enfants. Les futurs footballeurs parmi les 4 enfants? Je ne leur demande pas de... Je vais les laisser. J'ai eu une expérience qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Je peux juste les accompagner. Je vais les laisser. Je vais les permettre de décider ce qu'ils doivent faire. Super. Moi, je vous ai dit, mon expérience avec mes parents, c'était la guerre. Alors que moi, j'aimais le football. Et c'est ce football qui m'a permis de réussir. Lui, mon papa, voulait que j'aille, j'aille à l'école. Et à la fin, j'ai eu raison. Donc, je me suis dit, si j'ai eu... Non, ce n'est pas normal. Parce que quand on veut exercer,
ou bien pratiquer, exercer un métier ou bien pratiquer. Il faut déjà le faire avec passion. Parce que quand on a la passion, on a cette motivation-là. Les difficultés que vous allez rencontrer, ça sera plutôt pour vous une motivation. Et vous allez vous allez aborder cette difficulté-là avec beaucoup de motivation. Par contre, si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas du tout, toutes ces difficultés-là vont vous décourager et vous n'allez pas réussir. On peut applaudir. C'est bien dit, en tout cas. C'est très bien dit, c'est beaucoup de motivation dans ce qu'on a choisi de faire. Mais on a parlé des moments un peu difficiles. Quel est votre pire souvenir, Jérémy, de toute votre carrière? Vraiment un souvenir qu'on n'allait pas oublier de sitôt. Ou le plus grand moment de frustration dans votre carrière de footballeur. Mais écoutez, je dois vous dire que la carrière que j'ai choisie, comme je vous ai dit, on a des bons moments. C'est-à-dire quand à la fin d'une compétition, on a gagné. Ça, c'est des moments inoubliables. Tout à fait. Mais on a aussi des mauvais souvenirs quand à la fin, on perd. Je peux vous dire que si vous participez à une compétition, une Coupe d'Afrique des Nations, je reste celui-là que vous venez, parce que quand vous venez participer à cette compétition, vos ambitions, vos attentes, c'est d'aller le plus loin possible. Et si vous sortez au premier tour, c'est une déception, ça reste par rapport à vos efforts fournis. Donc, il y a des regrets. Mais je peux citer quelques mauvais souvenirs dans ma carrière. Par exemple, qu'est-ce qui me vient en mémoire? Oui, les mauvais souvenirs. Généralement, on les oublie. On retient tout simplement les plus beaux moments. Mais les mauvais souvenirs, les moments les plus qui ont été. Le final de Coupe d'Afrique. Non. Effectivement, il y a la finale, par exemple, au Ghana. Mais c'est pas ça qui vient. Bon, c'est vrai que c'est pas ça qui va venir en première position. C'est peut-être la perte lors de la Coupe des Confédérations, la perte d'un coéquipier pendant que nous étions en pleine compétition. Ça nous a marqué. On vous a vu pleurer sur le terrain. Ben oui, vous imaginez. Émotion qui a contaminé le monde entier. Parce que nous, on regardait à la télé, parce qu'on vous a vu pleurer. Nous aussi, on s'est mis à pleurer. Oui, c'était très, très difficile. Vous imaginez, vous sortez 23 gamins pour aller représenter un pays, une nation. Et effectivement, ce qui est arrivé arrive. Je vous dis, vous vous dites, mais quelqu'un à l'âge de son frère, parce que Marc Viviane, c'était un athlète bien bâti. C'était un colosse, hein? Un colosse. Et je vous dis, c'était très, très difficile. Parce que on nous a appelé d'aller les premiers sur le voir. Et quand on est arrivé, c'était. Pour nous, on se disait que Marc n'est pas parti. Et on disait, Marc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu nous lâches? On a dit, surtout que c'était l'un des leaders, on se disait, mais attends, tu nous lâches en plein parcours comme ça quand on est en train d'atteindre des objectifs. C'était un moment. Voilà, excusez-moi. Bon, on ne va pas pleurer. Hein. On peut applaudir pour donner plus de force à Jérémy, mais ça reste un moment très, très fort. Parlons un peu de la vie au sein des Lions Indomptables, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se racontent au sujet de la vie au sein des Lions Indomptables, les rapports entre les joueurs, les rapports avec le public. Dites-nous aujourd'hui que vous ne faites plus partie de... Enfin, vous restez toujours Lions Indomptables, on reste Lions Indomptables à vie, mais maintenant que vous n'êtes plus sur le terrain, c'est quoi la vraie ambiance au cœur des Lions, dans la tanière des Lions, en fait? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on raconte au sujet des Lions. Écoutez, je vais généraliser. Les guerres de leadership, guerres de positionnement, non, il faut parler des clans, etc. Ben, écoutez, il faut déjà se dire que regrouper déjà deux, trois personnes pour qu'ils aient les mêmes avis, ce n'est pas facile. Alors, imaginez-vous, vous prenez 23 gamins avec différentes mentalités, différentes éducations, des différents égos, qui se mettent ensemble, qui doivent... Et c'est une compétition, d'ailleurs, entre vous. Et si vous avez la malchance que ça se passe pas bien, c'est clair qu'il y aura des échecs. Mais moi, je vais vous dire, avec mon expérience, parce qu'après, j'ai été aussi un leader. Mais au départ, je n'étais pas un leader. Je dois vous dire que pour une équipe, pour une sélection, c'est la vie du groupe. Et lorsque tout se passe bien, c'est-à-dire, comment on dit, in the dressing room, dans les vestiaires, et que vous avez des gamins qui s'entendent bien, qui ont cette bonne cohésion, qui a cette entente, je peux vous dire,
vous pouvez aller le plus loin possible. Et j'ai eu la chance d'être dans un groupe comme cela, où je faisais partie des leaders, des meneurs d'hommes dans ce moment-là. C'est pour ça que nous avons eu le succès. Après, voilà, il y a eu des choses. Ce n'est pas simplement à l'équipe nationale. Il y a beaucoup qui ne sont pas informés, qui n'ont pas les informations exactes. Parce que parmi même les Camerounais, ils nous ont reproché, nous les leaders à l'époque, que nous on décide, on prend les décisions. Je vous ai dit, quand on a un groupe de personnes, il faut des leaders. L'entraîneur qui vient, surtout, je parle de l'équipe nationale, même en club, on a des leaders. L'entraîneur qui vient, il n'a pas le temps de passer avec ces gens-là. Mm-hmm. Moi, je connais l'état émotif, par exemple, de Rigobert Song, de Samuel Eto'o. Et ça, ça joue, prenons par exemple lors de séances de tir au but. Pour tirer un pénalty, vous croyez que c'est le meilleur joueur qui est le plus grand tireur? Non, beaucoup ne savent pas, les profanes, pour ceux qui sont les observateurs du football, non. Et c'est à l'entraîneur ou bien au leader de savoir que... ça, c'est quelqu'un. Parce que pour exécuter un tir au but, là, je rentre un peu plus dans la technique. Ouais, non, tout à fait. Et je profite parce que j'aime bien ça. Pour tirer un pénalty, et c'est même d'ailleurs partout, celui qui n'a pas de pression, bon, dans le management que j'ai fait, on m'a appris beaucoup de choses. Celui qui n'a pas de pression dans la vie, qui n'a pas de pression lorsqu'il veut participer ou bien réaliser un projet, ça veut dire que c'est celui-là qui n'a pas d'ambition, qui ne veut pas réussir. Quand ça arrive à ce moment-là, on appelle ça une pression positive. Et pour surmonter cette pression-là, il faut le surmonter le plus tôt possible. Je parle dans mon domaine. À l'instant où tu dois prendre le pénalty, où tu dois l'exécuter, je vous dis, il y a des joueurs, à un moment, ils se demandent, vous ne sentez pas vos jambes. Vous voyez souvent, pour ceux qui regardent le football, lors des séances de tir au but, un gars commence à faire ça. C'est parce que dans sa tête, il ne sent pas ses jambes. Et ça, c'est parce qu'il a la pression. Maintenant, il faut qu'il sorte de cette pression-là le plus tôt possible pour retrouver ses capacités et exécuter le pénalty avec toutes ses possibilités. Et c'est pour ça que dans la vue du groupe, il faut connaître celui-là qui est capable. Moi, je vais vous dire, tout le monde ici est différent. Hein. Il y a des gens ici que si quelque chose arrive, bam, il va fuir. Il y a des gens qui contrôlent l'émotion, qui vont rester calme. Et tout ça. Et c'est à partir de tout cela qu'il faut commencer à désigner de pénalty. Et nous qui étions les responsables, des leaders, on connaissait la vie du groupe. On était capable de dire, en demi-finale, on dit au coach, écoutez coach, on pense qu'en utilisant tel à cette position, à ce moment, ou bien un gardien de but, parce que si on arrive au tir au but, on sait qu'il est plus fort et tout ça. On ne l'impose pas. Oui, mais c'est qu'un avis, en fait. Et ça, c'est parce que nous connaissons entre nous. L'étape psychologique. Et les gens se sont plaints, ont commencé à raconter, dire que non, vous faites tout, vous décidez. Mais non. Mais vous avez souvent très mal vécu ça, parce qu'on a l'impression que la relation des footballeurs avec le public est une relation parfois compliquée. Un coup, on vous donne beaucoup d'amour, on vous aime, et un coup, on vous déteste. Je prends l'exemple, par exemple, du fameux penalty raté de Romelend. Romelend qui a été le joueur le plus aimé, adulé, mais pour un pénalty raté, voilà, il y a eu des débordements. C'est ça qui est dommage. Et, nous et comment vous ressentez ça, en fait? Quand on vous aime beaucoup et quand on commence à vous dénigrer, à vous insulter, je vais vous dire, et quand vous devenez la personne la plus détestée. Nous qui avons le vécu, on n'a plus le temps. Mais par contre, ça affecte ces jeunes-là. Et c'est à nous, maintenant, notre rôle de les ramener sur terre pour leur dire, écoutez, c'est non, laissez-les. Je veux vous dire, si vous marquez là, c'est eux les premiers à revenir. C'est eux qui vont commencer à courir. Ceux qui vous ont insulté avant, c'est eux qui vont revenir aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que tu as besoin de ces leaders dans le groupe. Parce que c'est eux qui amènent le groupe. Et donc nous, moi avec le Chaba, j'avais déjà cette relation-là. On dit à vos joueurs de casino, oh le casino. Mais quand je marque un coup franc, oh le meilleur. Mais on avait par exemple des binationaux quand ils arrivent à la séance d'entraînement. Il y avait des gars qui arrivent. Oh, toi, tu sors d'où? Prends ton sac, tu viens d'où? Équato-Guinéen, pour parler d'État Mébaillard. Non, on peut citer des noms comme ça. Ouais. Et il rentre dans le bus, pam, moral à terre, tout ça. Moi, je vais rentrer, tout ça. On lui dit, mais quoi? Il dit, non, on m'insulte, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, non, c'est comme ça qu'ils sont. Je te dis que si dimanche, là, tu marques, là,
c'est toi qui auras toutes les... Bon, alors, ça fait partie du game. Merci beaucoup, Jérémy. On applaudit un peu très fort. Merci. On va marquer une pause hein, dans ce programme face à ECN. Vous aimez beaucoup la musique? Écoutez, c'est pendant, quand je jouais, on adorait écouter la musique parce que ça nous permet de changer. Ça, c'est une forme de concentration. Vous dansez aussi, on vous a vu danser à votre mariage avec votre épouse Laure. Écoutez, on dit souvent que les footballeurs sont des bons danseurs. Ce n'est pas seulement les bons danseurs, parce que les footballeurs ont ces aptitudes de s'intégrer facilement. C'est une forme d'intelligence. Pour ceux qui insultent souvent les footballeurs. On va retrouver... On va retrouver Stéphanie Sex au saxophone et Marcel Dana au piano. Face à ECN, ça se poursuit. Bravo donc Stéphanie Sax au saxophone et Marcel au piano. Vous étiez sous le charme. C'est le style de musique que vous écoutez beaucoup, Jérémy.
Ouais, c'est relaxant. Je pense que c'est relaxant, c'est quiet, c'est calme. Ça permet de, voilà, d'échanger. De changer tout ça. Et je, franchement, bravo. Je me suis souvent posé des questions. Ces personnes-là, comme le souffle qu'elles doivent avoir. Et surtout que c'est une femme, hein, parce que le saxo, c'est chez nous, c'est Manu Dibango, ce sont les hommes. Là, c'est pour ça que j'ai ces capacités. Et voilà, maintenant, il faut savoir les développer. Je pense que à l'avoir, c'est beaucoup d'heures de travail. Et je ne peux que l'encourager et féliciter. Voilà. En tout cas, bravo. Alors aujourd'hui, Jérémy, vous êtes un homme serein, un homme posé. Vous avez parlé tout à l'heure de votre famille, de votre épouse aussi. Ce ne serait pas un secret que de dire que vous avez épousé la fille du richissime homme d'affaires. J'étais, mais moi, un grand homme qui a participé au développement du Cameroun. Alors, aujourd'hui, comme mari, c'est la sérénité totale, c'est la paix intérieure. Ça va ? Vous êtes zen ? Écoutez, le mariage vous a fait beaucoup de bien, Jérémy. Je pense beaucoup, beaucoup, oui, il faut le dire. Hein, je ne cesse de rendre toujours hommage à mon épouse parce que généralement, quand on arrête une longue carrière et on ne fait plus des efforts, ça se voit tout de suite. Et moi, aujourd'hui, quand beaucoup me rencontrent, ils me disent « Ah, Jérémy, tu joues encore ?» Je lui dis « Mais non. » Et ils me demandent « C'est quoi ton secret ?» Je lui dis « C'est mon épouse. » Oh, on peut applaudir pour l'épouse, Jérémy. Et quel genre de mari vous êtes pour votre épouse? Vous êtes quelqu'un de très attentionné, de... Mais écoutez, c'est chacun a son style. Hein. On essaye d'être le parent là qui doit, voilà, qui connaît ce qu'il doit assumer ses responsabilités. Et quand on atteint un certain âge, on ne vit plus pour la famille qu'on a bâtie. Aujourd'hui, moi, quelle est ma motivation? Ma motivation, voilà, c'est que, voilà, de voir mes enfants grandir et réussir. Je veux voir mes enfants grandir. Mais c'est ça la motivation. Vous pouvez dire ça, je veux voir mes enfants grandir. Nous voulons voir. Je ne peux pas dire je veux voir. Je ne veux pas dire je veux voir. Je dis, parce que c'est, voilà, votre épouse et vous. C'est mon épouse et moi. Voilà, c'est aujourd'hui notre motivation et vivre notre modeste vie. Voilà, que maintenant, moi, j'ai tout connu. J'ai eu la chance de tout connaître. Je suis passé, comme on dit, à la télé, c'est pas de l'eau. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de passer à la télé. Vous êtes plutôt réservé aujourd'hui. Bon, voilà. Vous vivez ce qu'on appelle une retraite dorée. Vous avez travaillé dur quand même pour avoir cette retraite-là. Non, j'exagère pas. Vous avez gagné quand même des millions d'euros. Aujourd'hui, vous menez votre petite vie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre retraite, vous faites preuve de générosité parce que vous avez décidé d'être aux côtés des plus faibles, d'être aux côtés des marginaux, d'être aux côtés de ceux qui rêvent aussi. Défendez les droits des jeunes dans les instances nationales et internationales à travers vous êtes responsable de plusieurs mouvements syndicaux. Ouais, alors, on peut en parler. Oui, bien sûr. Alors, lorsque j'ai décidé de raccrocher mes godasses, j'ai pris 2 ans pour me reposer. Et après, on commence à s'ennuyer et rester à la maison chaque jour sans rien faire, ça devient très, très compliqué. C'est très, très difficile. Moi, j'étais quelqu'un qui adore être en mouvement, c'est-à-dire travailler. Dans l'action. À se lever le matin, aller aux entraînements. Et après, j'étais fatigué. J'ai eu 2 ans, mais après 2 ans, c'était compliqué. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour renvoyer l'ascenseur à mes jeunes frères, à mes enfants. J'ai donc décidé d'être dans l'administration du foot parce que je pense qu'on en a besoin. Il y a beaucoup qui sont dans la partie technique, mais moi j'ai plutôt choisi l'administration parce que je pense que ça commence par là. Quand on est bien organisé, quand on est bien, les institutions, je parle de mon monde, les sportifs sont bien, et je sais très bien qu'en Afrique, on a ces lacunes-là. Je me suis dit, voilà, j'ai choisi ce domaine-là. Et je suis donc allé me former parce qu'avant d'aller embrasser cette question, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que tu as comme capacité? Et je me suis posé des questions. On m'a donc recommandé. J'ai eu cette chance que l'UEFA
L'UEFA, c'est la Confédération européenne, a lancé un projet qui forme les prochains dirigeants du football. Alors, j'ai donc participé à ce programme qui s'appelle le MIP. Le MIP, c'est en anglais, le Master of International Players. C'est un master pour l'organisation et le management. Et puisque c'était le domaine que j'avais choisi, je suis donc allé obtenir ces outils-là pour pouvoir lancer dans le management. Et puisque quand j'étais encore en activité, j'appréciais beaucoup ce que le feu président David Maïbi fait à son âme, un grand homme aussi. Ouais, qui faisait. Et lui, il avait vu en moi quelqu'un, parce que pendant que je jouais, je ne cessais de lui apporter des aides pour que... Moi, je voyais ce qu'il faisait. C'était pour les footballeurs. Et les footballeurs, à l'époque, ne savaient même pas. Dans le cadre du SINAFOP, le syndicat national des footballeurs professionnels. Tout à fait. Et c'est comme ça que, dès que j'étais élu le président, après sa mort, immédiatement, il faut le dire, j'ai été élu le président du syndicat national des footballeurs camerounais. C'est ceux-là qui défendent les footballeurs. Alors, nous, ça, c'est... il faut le dire ainsi, nous sommes représentés, c'est-à-dire l'association est représentée au niveau des pays par, comme on dit, soit une association, soit un syndicat. Après, au niveau continental. Et au niveau continental, nous avons la division Afrique. La division Afrique, dont j'ai été aussi élu. Vous êtes le président Afrique du syndicat mondial des footballeurs professionnels. On peut applaudir. Et je suis aussi également... Je dois annoncer peut-être cette mauvaise nouvelle. Cette année, le mois dernier, j'ai perdu aux élections d'être le président de la FIFPro mondiale. La FIFPro, c'est l'instance fêtière de toutes les associations de chaque pays. C'est pas grave, hein, vous allez revenir la prochaine fois. Vous allez construire votre carrière petit à petit. C'est sûr que dans le management, le football petit à petit aussi, vous allez arriver au sommet. Vous êtes d'accord avec moi, le public, hein? Je fais au quotidien, je suis déjà très content parce que on a beaucoup changé la mentalité. Pour ceux qui sont dans le football, et même les jeunes footballeurs, ils ne savaient pas ce que c'était un syndicat. C'est normal, il faut essayer ça, ça prend du temps. Je pense que mon premier mandat, il fallait déjà développer, c'était mes priorités, développer déjà la vie. Je ne veux pas critiquer mon prédécesseur. Il fallait d'abord renforcer cette visibilité, cette crédibilité du syndicat des footballeurs camerounais. Et sachant où nous nous trouvons, la fédération qui est l'instance fêtière du football, nous n'étions pas la bienvenue puisque nous nous sommes indépendants. Lorsque un joueur ou les droits d'un joueur sont bafoués, moi je n'hésite pas d'aller. Parce qu'on parle de mauvaises conditions salariale chez les joueurs sont sous-payés, ils ne sont pas payés à leur juste valeur. Ils ne sont même pas payés. Les présidents de clubs parfois qui ne reçoivent pas suffisamment, reçoivent, traitent mal les joueurs. Moi, j'ai parfois assisté à des scènes où les joueurs dans les séances d'entraînement reçoivent à peine 500 francs pour payer leur transport. C'est un peu compliqué. Ouais, si on veut... C'est une image très misérabiliste du football. Mais pourtant, le football génère beaucoup d'argent. Oui, le football, on a la chance d'être dans un pays où, dans chaque génération, on a des très grands joueurs. Et je pense que c'est l'occasion pour moi que je relance encore ce message au gouvernement, parce que ce n'est pas tous les enfants qui vont faire dans l'administration. Il y a différents métiers qu'on peut faire. Aujourd'hui, le sport en général, le football en particulier, beaucoup de jeunes veulent pratiquer ce métier. Et je pense qu'aujourd'hui, un jeune peut devenir un monsieur, une personne qui a réussi sa vie en jouant au football. Et comment donc faire? Il faut donc développer ce... Je reste là, je ne suis pas... Je veux pas... Je parle du football, hein, des footballeurs. Donc, ça ne veut pas dire que... Moi, si je parle du football. Je pense que le gouvernement, aujourd'hui, lorsqu'on voit le nombre de jeunes qui veulent devenir footballeurs professionnels, ils sont nombreux. Et ça devait être un domaine où on devait s'y pencher. Parce que ça aiderait aussi l'État. Si on dit que... Ça arrive au problème du chômage. Si on dit que dans un pays, les jeunes sont le fer de lance. Donc, il faut regarder partout. Encourager ces jeunes-là qui vont... S'ils sont...
cultivateur ou bien je ne sais pas quoi. Il faut les encourager, les donner les moyens. Moi, j'ai pris la décision d'apporter ma modeste contribution. Aujourd'hui, je pense que les choses sont en train de revenir dans l'autodorcie des choses parce qu'on a une fédération, à la tête d'une fédération, quelqu'un qui a été ancien footballeur, qui connaît les problèmes de footballeurs, qui comprend les footballeurs. Votre ami et frère Samuel Etofis, vous êtes très content de l'avoir à la tête de la FECAFO? Plus que très content, d'ailleurs. Oui. Parce que je pense qu'avec lui, ça sera plus facile. Il est question pour nous de sortir ce football-là qui était dans les tréfonds, d'abord le ramener où il faut. Quand on parle du football au Cameroun, je vous dis, c'est un regret. Moi, j'ai des coéquipiers, j'ai la chance de jouer avec des très grands joueurs, des légendes, qui me disent, mais Jérémy, comment ça se passe dans vos pays, là, le championnat? Et ça choque. Mais vous pensez que quels sont les atouts de Samuel Etofis? Enfin, il y a un enthousiasme autour de son élection à la tête. Maintenant, il va falloir juger le maçon au pied du mur. On peut avoir été bon footballeur. Maintenant, il s'agit de l'administration. Vous qui le connaissez très bien, c'est votre ami et frère. Vous pensez que quels sont les atouts de Samuel Etofis? C'est pas, je vais vous dire, Samuel a été élu. Je ne voudrais pas que vous parliez de Samuel Etofis. Il a été élu. Et quand on dit qu'on est président, un président, ce n'est pas celui-là qui prend les décisions. Il préside un comité, il préside des réunions. Et c'est une association. Et c'est à l'association de prendre des décisions. Eux qui donnent l'orientation. Ils vont donc prendre, parce que Samuel Eto'o ne peut pas prendre une décision tout seul. Jamais. Il y a ce malentendu-là dans l'administration du football. Il représente un comité. C'est une assemblée qui leur a donné le mandat. Et ils sont là pour taper. C'est l'assemblée qui est l'organe suprême. C'est eux qui sont là pour taper. Ils disent, bon, OK, allez-y. Donc, je pense qu'il ne faut pas parler de Samuel Eto'o. On va plutôt l'encourager de présider ce comité-là et qu'ensemble, qu'ils prennent des décisions. Et dans cette fédération, il y a ce qu'on appelle les parties prenantes. Nous en faisons partie des parties prenantes. Moi, le syndicat national du footballeur camerounais est reconnu à la fédération. Donc, nous avons aussi notre rôle de promouvoir, de développer le football camerounais. Et aujourd'hui, j'ai la chance donc que ce soit lui. Et nous, qui mieux qu'un footballeur de comprendre les problèmes d'un footballeur, pour défendre les intérêts d'un footballeur. Oui, on ne veut pas en arriver là. Vous parliez tout à l'heure, un footballeur, il pratique un métier, une profession. Et quand on pratique une profession, on gagne de cette profession, on gagne son temps de cette profession-là. Donc, à l'issue, avant, il doit signer un contrat entre lui et l'employé, et son employeur. Et ici, c'est l'employeur, c'est le club qui est représenté par le président ou quoi que ce soit. Et dans ce contrat-là, il doit avoir un contrat où effectivement il y a des clauses dans ce contrat-là. Et généralement, au Cameroun, on ne respecte pas ces clauses-là. Et quand on parle aujourd'hui, si on parle de l'industrie, si je dis que le football c'est une industrie, la matière, l'élément fondamental d'une industrie, c'est la matière première. Et si on dit que le football est de l'industrie, la matière première, c'est le footballeur. Et pour qu'une industrie réussisse, si vous n'avez pas une bonne matière première, ça ne vaut pas la peine. On investit sur la matière première à travers la formation, les écoles de formation, par exemple. Tout à fait. Alors, on va donner la possibilité à ceux qui ont fait le déplacement de l'Institut français du Cameroun en tête de Yaoundé de poser quelques questions à Jérémy. Le principe est simple, vous allez dévoiler votre identité et vous allez poser la question. Donc, vous présentez, vous posez la question directement à Jérémy qui se fera un plaisir de vous apporter la réponse. Oui, Jérémy, des travaux. Monsieur Jérémy, je m'appelle Mamadou Bachirou, jeune footballeur camerounais. J'ai une question à vous poser. Elle est la suivante. Qu'est-ce qui vous motivait dans votre carrière internationale, tout le long de votre carrière? Et quelle était votre source d'inspiration? Jérémy. Wow. Je comprends bien la question. Ma carrière internationale, c'est-à-dire à l'équipe nationale. Oui, peut-être. En Europe Vous voulez dire en Europe? Écoutez, je pense que lors de nos échanges, si on parlait d'une aventure,
Et lorsque j'ai pris la décision de m'aventurer, je me suis dit, j'ai abandonné l'école. J'ai abandonné l'école pour embrasser cette profession-là. Et ma motivation, c'était de réussir. Je pense que vu les appréciations et même les récompenses, parce que étant tout jeune, j'avais déjà glané quelques trophées. Vu tout cela et même les appréciations de mes encadreurs, je me disais que j'avais des qualités. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement d'avoir les qualités, hein, ou bien le talent. Il fallait donc travailler. Et après, je regardais aussi en tant que footballeur, on voyait comment ça se passe partout, et on voyait comment les joueurs. Donc, je suivais les championnats. Et ma motivation, c'était que je vais sortir aussi à la télé, je vais jouer au plus haut niveau. Je n'avais jamais dit, OK, moi, je vais jouer au Real Madrid. Non. Ma motivation, c'était que je vais réussir. Parce que j'avais abandonné l'école, il faut le dire. Pour moi, l'école n'était plus dans mon plan de vie. Dans mon plan de vie. Et je disais que, vu comment un footballeur et les sommes, quand vous parlez des sommes, je disais aussi que, OK, moi aussi, je vais tout faire pour pouvoir gagner. Pour pouvoir gagner ma vie par rapport au football. Et c'est ça qui m'a permis donc de faire beaucoup de sacrifices, de travailler dur, parce que je sais que dans tout métier, d'avoir aussi la foi en ce qu'on fait, parce que si on n'a pas cette foi-là, on ne croit pas à ses possibilités aussi. On met les moyens de son côté pour réussir. Donc, je mettais tout cela pour atteindre. Je n'avais jamais fixé des objectifs hauts, mais à chaque fois, j'ai redoublé des efforts pour pouvoir. Le but, c'était de réussir. Le but, c'était de réussir. On prend la prochaine question. Félicitations, bravo pour cette édification à ces jeunes qui rêvent de devenir footballeurs comme toi. Un exemple de reconversion aussi, il faut le dire. Pour ce que tu fais aujourd'hui, c'est admirable. Et dans tes nouvelles fonctions, le président du syndicat de footballeurs camerounais et président du syndicat Afrique, je voudrais savoir, est-ce que le SINAFOC se focalise seulement sur la défense des intérêts de footballeurs ou bien aussi sur la reconversion et l'intégration des footballeurs? Si oui, avez-vous des partenaires et comment faire pour être partenaire du SINAFOC lorsque quelqu'un comme moi qui vit en Europe, qui travaille un peu dans cette dynamique, de contribuer à aider les footballeurs qui sont de ce côté-là à se trouver une nouvelle vie. Quels sont les mécanismes pour mettre sur pied des partenariats éventuels pour travailler en synergie? Merci. Ce serait peut-être bien que Fred soit en Allemagne. Bon, en fait, je suis le président de la Fédération internationale de football vétéran. Il faut préciser que c'est une fédération que nous avons mis sur pied à la base, c'était du hobby. On était camerounais à la base en Allemagne. On organisait des tournois en Allemagne chaque année. Mais avec le temps, ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, nous avons 32 équipes d'Europe, d'Italie, Angleterre. Et là, nous sommes en train de travailler sur un projet de championnat du monde avec un État africain dans 2 ans. Merci. Jérémy. Alors, merci Fred. Fred, que je connais très bien. Merci Fred. Tu nous poses une colle là. Vous savez, c'est pas facile cet exercice. Nous, on n'est pas habitués. Hein. Nous, on connaît un peu au ballon. Non, pour faire sérieux, Fred. Alors, nous représentons, et je dois apporter un peu quelques réponses un peu claires. Nous représentons les intérêts et les droits des footballeurs et des footballeuses en activité et professionnels. Lorsqu'on regarde le contexte du Cameroun, aujourd'hui, il faut dire que la première division, je dois l'appeler ainsi, la Ligue 1 et la Ligue 2, est supposé être professionnel. Donc c'est cela.
nous demander ça, y compris aussi nos joueurs qui sont effectivement à l'étranger. Pour revenir à comment collaborer, non, d'avant, c'est la reconversion, oui, dans nos missions aussi, il y a un palier en reconversion. Donc, pendant qu'un jeune est en activité et lorsqu'il sent qu'il est en train déjà, parce que vous savez très bien que est différent, c'est merci. Avant, à l'époque, les gars pouvaient jouer 17 ans ou 17 ans. Maintenant, aujourd'hui, quand on fait la moyenne, ça doit être entre, si j'exagère un peu, disons 13-14 ans de vie professionnelle. Parce qu'au départ, hein, c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Donc, on n'est pas encore professionnel. Pour qu'un jeune signe un contrat, s'il est vraiment précoce, c'est à dire. Et quand on calcule 18 ans, s'il a la chance d'aller jusqu'à son âge de 33, parce que généralement, c'est comme ça qu'on. Et à 33 ans, 32 ans, même vous-même, là, vous commencez à crier, oh, il est vieux, oh, il arrête. Donc, on essaye de dire entre 13, 14 ans, 15 ans de professionnalisme. Donc, du coup, après, quand ils commencent, voilà, aussi au niveau de l'état, la situation physique, des capacités physiques, s'ils commencent à sentir, nous, on les recommande, on les conseille. D'ailleurs, on commence, ceux qui sont nos membres, quand ils approchent déjà l'âge de retraite, on commence à leur demander déjà qu'est-ce que vous voulez faire, puisque dans notre comité directeur, on a des personnes compétentes dans tous les domaines. Et vous savez très bien que dans le football, il y a plusieurs domaines. Et pour les footballeurs, ce que vous voulez faire. Et nous avons des personnes compétentes là. Donc, nous leur conseillons, nous commençons déjà à parler avec eux, qu'est-ce que vous voulez faire. Et si vous voulez le faire, nous, on peut les accompagner. Ça, c'est notre travail au quotidien. Donc, dans nos syndicats, nous avons ce domaine de conversion. Maintenant, le partenariat, écoutez, quelle association ou bien une entreprise n'aimerait pas avoir du partenariat s'il y a des personnes qui sont intéressées, et c'est même notre souhait, parce que nous sommes une association à but non lucratif. Nous vivons des subventions venant de notre institution. Et ces subventions, imaginez-vous, c'est l'instant, s'ils arrêtent, nous devons continuer, mais il faudrait qu'on puisse aussi aller chercher à générer d'autres fonds pour pouvoir s'en sortir, parce qu'on a du personnel qui travaille au quotidien. Donc pour nous, s'il y a du partenariat, et quel que soit le partenariat, la collaboration, on peut travailler. Si c'est dans le football, si c'est dans le domaine du football, c'est la bienvenue. Donc pour nous, je pense qu'on en a déjà eu à discuter, pour nous, la collaboration, on est au niveau national, mais on a aussi des antennes et des représentants à l'étranger. Donc, vous êtes ouvert aux collaborations. Bien sûr, on est ouvert. Merci, vraiment, Jérémy, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à ce public qui s'est déplacé. Merci à vous de nous avoir regardés. C'était donc face à ECN, véritable partage d'expérience. On remercie toute l'équipe technico-artistique qui s'est mobilisée. Merci à l'Institut français du Cameroun, à l'ambassade de France. Et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. On va se quitter avec la saxophoniste Stéphanie et bien sûr Marcel au piano. On va se quitter en musique. Merci aussi pour cette invitation et je vous encourage pour cette très belle initiative. N'hésitez pas, hein, je pense que j'ai choisi ce rôle de transmettre, de renvoyer l'ascenseur à ceux-là, aux nécessiteux. Merci. Merci.